Ouais les gens, je suis vraiment désolé, ça coupe sans arrêt. Je suis juste en train de me casser les couilles là. Ah, Eric, je crois que ça recoupe aussi là. Oh putain. Mais je Oh, crois mais que il ça a glande coupé de encore une quoi, fois. sérieux? Mais il glande de quoi? Je crois qu'Eric s'est encore coupé. Je suis vraiment désolé les gens, mais j'ai plus strictement rien là. Ouais, c'est bien, c'est un autre chute qui est. Ah, bah Eric s'est coupé encore une fois. Non mais cherche pas, hein. On sait pas trop ce qu'ils foutent, on sait pas trop ce qu'ils glandent, mais Je suis vraiment désolé pour les la serveurs coupure des bug jambes. à fond de chez fond. What are you doing, fucking? C'est pas moi, j'ai écrit ces personnes. Oh. Ouais, ça fonctionne, ouais, mais je sais pas si ça va recouper encore une fois. Je suis vraiment désolé, mais c'est dans Twitch, déjà des connards morts. Chez Eric, c'est pareil, c'est bug. Merci Free. Putain, ça me pète vraiment les couilles, quoi. Vas-y, casse-toi, putain. Franchement, c'est vraiment plus de couilles là. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, je sais très bien qu'il y en a, mais bon, là, ça fait la dixième fois que ça coupe, au bout d'un moment, c'est quand même vraiment péter les couilles. Franchement, c'est bon, quoi. Eric, ça a pu couper, donc ça peut couper encore. Oh le délire, ça fait des paliers, t'as vu? C'est toi là? Je vais tranquille, putain, je pense. Hein. Eric, il a fait comme toi, il a changé de serveur. Ouais, c'est ce qui va se passer. Parce que là, ils sont en train juste de me péter les couilles. Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est la course là. C'est là. Oh, j'ai vu cette voiture. Si ça rebug les gens, je changerai de serveur. Hein. Je passerai sur un autre. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que tu as trouvé ton cadeau?
Ouais, j'ai trouvé. Mais j'ai laissé un message encore à l'autre con. Ah putain. Enfin, je lui ai laissé un message écrit en lui disant que je vais porter plainte avec sa plaque d'immatriculation, son numéro de téléphone, avec aussi toutes ces choses. Mais... Oh, tu vas porter plainte. Et je vais faire, je lui ai même dit, hein, je vais faire un constat à mon assurance qui, elle, se chargera de vous retrouver en échangeant les données clients des autres assurances. Donc je lui dis, si tu veux éviter ça, bah tu m'appelles. Puis c'est marrant. Mais voilà quoi, je pense que le gars va pas me rappeler. Non mais je lui fais un peu peur, tu vois, je lui fais un peu peur pour qu'il m'appelle. Parce que peut-être, de toute façon j'ai appelé mon assurance, ça va être mon assurance m'a dit que qu'il fallait que je fasse comme ça, ce serait mieux. Ouais, lui faire un coup de chaud quoi. Comment? Lui faire un coup de chaud, enfin le faire peur. Voilà. Et puis s'il me contacte pas, c'est pas grave. Je bah, fais ça va t'en brûler, hein. Mes assurances vont se débrouiller pour le retrouver, tout ça. Mmh. Et s'il a pas d'assurance, bah que veux-tu, il a pas d'assurance. Oui, si ça se trouve, il y a un truc derrière. Hein. Non, par contre, ce que je vais essayer de faire, peut-être lundi, peut-être. Je vais voir. Je vais essayer de partir super tôt pour me retrouver à l'endroit de mon accident à 7h. Et d'attendre jusqu'à 8h. Non, pas un témoin, sa gueule de con. Pour lui exploser sa tronche. Non. Oh. Voilà. N'explose pas la tronche des gens, ça ne sert strictement à rien. Ah si, ça défoule. Si, ça défoule, ça fait plaisir. C'est lui la victime. Et alors, j'en ai rien à foutre, il a pas ma plaque. Par contre, il a rien du ouais, tout. Quand je garde ma bagnole à l'autre bout du monde, il a rien du tout sur moi. Il a aucun info. Comment? Mais bien sûr, il va me reconnaître. Il va dire, oh, le conducteur que j'ai choqué, il m'a tapé. Ouais, c'est bien ma gueule, c'est bien. Il a rien, moi, il a rien sur moi. Le constat, ma mère, elle aurait pu t'enfiler, la 4-5. Elle a gardé tous ses constats des anciennes voitures. Oh. Elle se retrouve avec 4-5 constats, quoi. D'ailleurs, moi, il faut que je trouve un constat. Si j'aimerais. Demande à ton assurance. Ma mère, elle a dit, ils en donnent. Oui, l'assurance, ils en donnent. Non, mais alors là, tu m'apprends rien, le chaton, c'est injusté. Bah, justement, si tu vas poser des papiers à ton assurance ou des choses comme ça, si tu fais un constat et tout ça, bah. Bah, demande-leur au pire, tu vois. Ouais, mais quoi que tu, faut que tu y ailles en fait. Et ta mère, elle a pas de constat? Bah, peut-être. Justement, je prendrai celui de ma mère si jamais elle gagne. Ou je demanderai autour de chez moi, ou même à des voisins, ou je sais pas, j'emprunterai un constat. Si jamais le mec, genre, il m'appelle là ce soir. Si le mec il m'appelle ce soir et qui me donne rendez-vous genre demain, bah je serai obligé de trouver un constat par moyen ou quoi. De toute façon, il a filé le numéro d'un de ses potes, tu sais, c'est ouais, passé. Non, je pense pas parce qu'il m'a dit qu'il s'appelait Pierre, il me l'a dit du tac au tac. Bah il me l'a dit du tac au tac et bah, sur si sa messagerie. Vrai, écoute-moi, sur sa messagerie ça dit Pierre machin tout. Et alors, ça se trouve il a donné le numéro d'un pote, il a donné le prénom d'un pote et voilà quoi. C'est possible. Mais alors comment ça se fait que tu laisses un message au mec en lui disant ouais contactez-moi pour l'accident et le mec il te dit pas. Attendez monsieur, moi j'ai pas eu d'accident, tu vois. Dans ce cas-là, il te rappelle en me disant eh, monsieur, j'ai pas fait d'accident, je pense que je sais pas qui vous cherchez. Parce qu'à mon avis, cas, c'est pas que t'as moi, pris sa plaque. Hein? C'est peut-être pas que t'as pris sa plaque. Hein. Si, le sage, je lui ai dit. Ah, bon. Après, il m'a dit oui, mais peut-être qu'il m'a pas vu le faire. Et du coup, il y pensait plus. Mais là, voilà. Alors, qu'est-ce que vous faisiez là? Mika il diffuse GTA 5. Oh. Moi je regardais un peu Mika, un peu Eric. Voilà quoi. Ouais, quand ça coupe. J'ai pop-up les deux quoi. Tu vois. Mais un écran à côté de l'autre. En petit bien sûr. Parce que moi j'ai fait des petits. Le mec il se la pète avec ses deux écrans. Ça va chier. J'en ai trois. Salut. Ok, putain. T'en as trois Mika? Ouais. T'en as pas un qui te sert de télé sur le côté? Si, y en a un qui me sert de moniteur télé. Ah voilà, donc en vrai t'en as que deux alors. Et bah toi aussi il te sert de télé l'autre. Ouais mais je dirais oui, juste mais à quand je m'en sers pas, enfin il me sert d'écran de PC. Ouais mais merci il de est juste à côté ou il est sur un meuble un peu plus loin? Ouais il est juste à un côté un peu plus loin. Voilà, c'est bien ce que je pensais. J'adore Mika, il est juste à côté un peu plus loin. Ouais voilà ouais.
Parce qu'en fait, trois écrans devant soi, ça sert pas à grand chose. Moi, je suis grand et petit, d'accord. D'accord. Allez, salut. En tout cas, cette pute, je vais lui faire la guerre. T'as bien raison. Et je te dis, je vais. Il faut lui faire la guerre intelligemment. Faut pas je vais sûrement. Je vais peut-être. Ouais, je dis lundi, je vais essayer de. Je vais attendre au carrefour pour voir si je le vois pas. Si je le vois, je l'arrête en voiture et je le sors de là. Bah quoi? Possible ça, de voir casser la gueule à tout. Faut le foutre dans la merde, il faut le faire moi, payer avec son limite, flic. Non, non, mais c'est quoi? Moi, limite, un accident, tant que le mec, bon, il assume le constat, le machin, bon, il assume sa connerie, moi, ça me va, tu vois. Ou même dédommager un petit peu, hop, ça me va. Mais là, lui, c'est carrément, il s'est foutu de ma gueule et il me donne un numéro pour finalement jamais me rappeler d'un air de dire oh, bah, ça passera, tu vois. En attendant, c'est quand même toi qui es emmerdé avec, à cause bah de ce voilà, tu fais un constat, tu fais ce que t'as à faire, ils vont me retrouver. T'as quand même une voiture. Non, c'est pas dit qu'il le retrouve, c'est pas dit. J'ai dit que les assurances allaient le retrouver, à lui, je lui mens. Je lui ai dit que j'allais porter plainte. Mais déjà, je ne peux pas porter plainte, je ne peux que faire une main. Ah oui, déjà, porter plainte, lui, et s'il n'est pas ensuite, con, non mais attends, oui, mais attends, attends, c'est pas... On s'en fout. Moi, je dis des choses, après, lui, il croit ce qu'il a envie de croire. J'ai dit aussi que j'allais, donc, du coup, faire un constat avec sa plaque d'immatriculation et que c'est les assurances qui se chargeront de le retrouver. Mais encore une fois, je n'ai pas dit que... qu'ils le retrouveront, peut-être pas, ou que ça mettra 2 ans. Moi j'ai appelé mon assureur il m'a dit ouais ça peut mettre jusqu'à 2 ans pour retrouver les gens des fois. Oh. Parce que si c'est des assurances genre un pas très bien connu, et puis ils me disent il y a des fois des assurances qui jouent pas le jeu de nous donner les données. Ouais mais bon en même temps Donc si tu veux du fait qu'ils jouent pas le c'est jeu un peu débile, quoi. On leur demande la plaque d'immatriculation, ils font pas non. Ouais mais c'est pas légal de créer un accident et de pas après en assurer. Ouais, de se barrer c'est derrière. Pas légal. Là, il est déjà ouais, dans ça je sais bien. Lui. Non mais d'accord, mais bon, c'est pas légal, mais c'est pas voilà, c'est. Eh bah si, il est dans l'illégalité, on va lui mettre les menottes, on va le mettre en prison avec Nabila. Puis hop. Comme ça que ah, ça non, marche. Non, pas avec Nabila, non. Mais non, il est dans une prison pour femmes. Dans un carré VIP avec télé, ordinateur. En plus, non, elle a en isolement. Lâcher, hein, Nabila. Comment? Le juge a décidé qu'elle restera en prison. Non, elle voulait être relâchée jusqu'à temps que son jugement soit oui, déclaré. Mais, elle ne sera mais pas relâchée, elle reste en prison. Du fait que son jugement, les juges vont certainement juger qu'elle va faire quand même un peu de prison ferme, ce qui fait que bah, elle va faire quand même au moins de la prison. Bah, j'espère qu'elle va faire de la prison. Ouais. Par contre, Thomas, ça y est, il va porter plainte contre elle, ça y est. Ah bon? Il ouais. se décide? Il se décide parce que vu qu'elle lui a foutu dans la merde, sûrement bah, qu'il a su quoi. Bah dis donc. Il a décidé de porter plainte et il a bien dit que c'était elle qui l'avait poignardé pour une raison futile puisque se disputait pour quelque chose de futile. Voilà. C'est pas pour une robe? Ouais, d'accord. Donc il décide de porter plainte. Donc il porte plainte, voilà, ça y est. Bah attends, il porte plainte. Oui, parce que lui il a voulu la défendre au début, puis elle le fout dans la merde, tu sais. Ouais, bah. En racontant des conneries quoi. Bah, elle a dit qu'elle s'était défendue parce que lui le tapait. C'est ça qu'elle a dit. C'est, enfin, c'est mais lui, pour lui, non. Du coup, ce qui est hard, c'est que t'imagines pourquoi il passe lui. Il passe pour un mec qui bat sa femme et qui bah, ouais. est obligé de se défendre à coup. Mais excuse-moi, mais une femme qui se défend contre un mari violent, en général, elle va donner un coup de couteau puis elle va s'arrêter là. Lui, il a été poignardé à 3 ou 4 reprises. C'est pas quelqu'un qui cherche à oui, se défendre, c'est quelqu'un qui cherche à se défendre. Il avait déjà été poignardé dans le dos, donc excuse-moi. Ouais, voilà. Et dans ils avaient dos, dit que... qu'il faisait un barbecue et qu'il était tombé sur un couteau. Ah, ouais. Okay, d'accord. Ouais, voilà ce qu'ils avaient raconté, tu vois, comme quoi. Ok, allez, c'est 5 cul. Donc lui, il a dit, on s'est disputé pour quelque chose de futile et elle m'a poignardé. Mm-hmm. Ça se voit que de toute façon, elle est comme ça. Ça se voit. Bah oui. C'est une dame, faut que tu lui donnes ce que tu veux. Puis en plus, la célébrité, le fait aussi. Quand tu sais, elle a fait la télé-réalité, tout ça, elle touchait gros, tu sais. Elle allait dans des boîtes de nuit dès qu'elle faisait voir sa frimousse de merde, elle touchait beaucoup d'argent. Et si tu veux, le fait de tout ça, les gens se plient à ta volonté. Elle allait dans des boîtes de nuit où elle touchait, genre, je sais pas combien, pour juste montrer sa tronche et boire du champagne, tu vois. Et boire du champagne où les gens paieraient la bouteille 1000 euros, tu vois. Ouais, 1000 euros la bouteille. Ouais. Elle avait tout ça gratuit, tout le monde était à son petit service, tout ça. Et du coup, bah, je pense que clairement, ça l'a fait changer. Hein. Ça existe des hommes battus. Déjà, ah oui, non, mais ça existe des hommes battus, bien sûr. Bien sûr, et tu sais quoi? Il paraît
qu'il y a beaucoup plus de violence conjugale envers un homme qu'envers une femme. Sauf que les violences conjugales envers une femme sont beaucoup plus importantes au niveau en termes de dégâts. Mais il y a beaucoup plus de nombre de mais je te parle de petites violences à la con. Ouais, tu vois, genre, elle est pas d'accord, et ben elle va te donner un coup sur l'épaule, tu vois. C'est rien en soi. J'en connais une comme ça, mais bon. Les femmes se permettent beaucoup plus ce genre de choses qui, du coup, fait que bah en fait la violence conjugale est beaucoup plus exercée par les femmes. C'est ça qui me personne, c'est que des fois il y a des couples qui s'engueulent, la femme met une claque dans la gueule à son mari, il lui en remet une et puis elle crie comme quoi elle se fait frapper, alors c'est elle qui lui a mis une claque en premier. Ouais, je sais pas à ce point. Non mais si, ça je crois, le promets, ouais. Ça existe. Il y a des cas juridiques là-dessus, et c'est quand même incroyable quoi. Je veux dire, elle commence à lui mettre une claque dans la gueule et après elle se plaque, elle s'en prend une quoi. Je veux dire, à un moment donné. Ouais. Y'a du donnant-donnant quoi. Bah. Il a mis une claque, il t'en met une, basta quoi. Faut moi je vois là, je connais un pote là, il est en couple avec une meuf. Bon, bien sûr, c'est dans la rigolade, mais si tu veux, genre la meuf, des fois quand il est pas d'accord, elle fait ah, et puis tu sais, elle lui donne un léger coup sur l'épaule comme ça. Ouais, bon, ça c'est pas méchant quoi. Non, c'est pas méchant, mais elle lui donne quand même un coup. Il lui fait mais tu m'as fait mal là, tu sais. Il lui fait ça, il fait mais tu m'as fait mal. Elle fait mais non, je t'ai pas fait mal, arrête de dire des bêtises. Et du coup, lui, tu sais, il prépare la pichenette, tu vois là, tu sais, il met son ongle, tu sais, sous son pouce, et il lui fait ça sur le genou, tu vois, pile sur l'os du genou, tu vois, pile la ping, juste sur l'os du genou. Et du coup, elle, bah bien sûr, elle aime pas ça. Et du coup, bah écoute, tu me tapes, moi je te rends un coup. Tu sens une douleur, mais si tu veux, t'auras pas de bleu, t'auras rien, quoi. Je veux dire, c'est pas. C'est désagréable, mais c'est pareil, c'est le même, hey, c'est du même acabit que son truc qu'elle a donné avant. Putain, il y avait des amis des fois qui me faisaient ça, mais ça fait extrêmement mal quand ils font ça sur les os, quoi. Ça dépend. Alors, le pire, c'est quand un pote a fait ça derrière l'oreille en plein hiver. Ouais, bah ça, ouais. Oh derrière l'oreille, ouais, ça fait mal, ça. Je crois que j'allais le tuer, quoi. C'est bien froid. T'es horrible, la pichenette derrière l'oreille en plein hiver, alors t'as froid les oreilles. Ça veut pas dire les oreilles. T'as froid les oreilles. Ah, les oreilles, l'hiver c'est une catastrophe. Ou c'est quand tu joues au foot en hiver et que t'as pas encore bien couru, tu vois, et que tu te prends le ballon en plein dans les cuisses alors qu'ils sont toutes froides et tout ça. Oh. Ah, je te jure que tu souffres. Hein. T'es par terre et t'es dans un peu plus. Ça fait mal. Le temps de se chauffer en hiver, c'est chaud quand tu cours. Tiens, ça va être pas utilisé de fourreau pour récupérer sa pierre grise. Putain, ça va être autre chose. Pour tirer le sort calme. Putain, je me tape plus super. Alors ça, c'est encore la mission super casse-couille. Bien sûr, tu joues pas en FPS, Mika, alors. Non, j'aime pas trop le mode FPS. Enfin, c'est juste pour la moto que je joue en mode FPS, et encore... Le reste, je m'en bats un peu les couilles. Bah moi, je pense que dans un avion, ça doit être super. Ouais. J'ai pas testé, faudrait que j'aille voir. A mon avis, je pense que c'est 100 fois mieux en FPS dans un avion. Parce que du coup, tu sais dans quel sens tu te trouves. Yep. T'arriveras mieux à orienter ton avion. Ah ouais, bien sûr. Bah, c'est mon avis. Faudrait que je teste. J'ai déjà testé en moto, c'est en moto, bien c'est quand même qu'ils aient donné quelques petites exclus par rapport aux nouvelles générations du jeu, quoi. Parce que du coup, ça donne un peu plus envie aux gens de l'acheter. Bah, ils ont vendu 47€. Moi, franchement, peut-être que j'étais à 5 sur PS4, peut-être que je me l'achèterai d'ici un an ou deux, mais en occasion. Comme ça, il aura baissé, tout ça. Il y aura de l'occasion possible, ouais, il y a moyen. Ou si, genre, mais en général, sur des gros jeux comme ça, il n'y a pas moyen. Si, genre, PlayStation 4 fait de la promotion là avec le PlayStation Plus. Mais bon, peut-être. En général, ils font ça sur leurs jeux qu'ils ont exclus. Les jeux exclusivité PlayStation 4, des trucs comme ça, ils font rarement ça sur. Putain. Bon. Ok, il y a des super offres en ce moment là. Il y a Second Zone à une vingtaine d'euros en fait. Il y a. Au mois de janvier, il y a. Comment ça s'appelle ? Si vous avez le PSN Plus,
Il y a comment ça s'appelle, il y a le jeu Second Sun First Light qui sera offert. Je sais ça, c'est pour quoi, c'est pour quoi. Infamous comment First Light. Infamous First Light. Ouais, le DLC qui est sorti. Ah, le DLC sera gratuit. Ouais, au mois de janvier, ouais, c'est gratuit, ouais. Faut déjà avoir le jeu quoi pour avoir le DLC. Non, tu n'es pas obligé de. C'est un standalone, t'es pas obligé d'avoir le jeu entier pour avoir le jeu. Ah bon ouais. Ah bon, bah c'est pas mal ça. Ouais, franchement, moi je l'ai acheté, le jeu est pas mal. Hein. Ah, le 29, il faut pas que j'oublie que lundi, il faut que j'aille chercher du PSN Plus parce que je vais me faire niquer moi. Ah, t'as plus de. Quoi, tu fais pas ça par carte et tout là. Que je t'ai dit d'ouvrir un compte ou par PayPal, là, y'a pas moyen. Non, y'a pas PayPal par machin. Y'a pas PayPal. J'ai cherché une carte PSN Plus, c'est pas mal. Chercher une carte PC chez PS Plus, c'est bien. C'est vrai qu'à chaque fois je zappe, putain. Ça va, t'as tous les jours pour le faire. Ouais, mais c'est pas une question que j'ai ça pas. Ça s'arrête quand ton truc? C'est une question que faut pas tu que je pense jamais, ouais. Bah, mets-toi un post-it là. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ouais. Je vais mettre un post-it sur le front, je vais dormir avec. Je te le rappellerai. Ça sert à rien sur le front, tu le verras pas. Ça sert à rien. Mais ma mère, elle le verra, ce sera bon, ça se verra. Non, faut que je le dise à ma mère. Ma mère, elle va s'en rappeler. On peut le rappeler. Elle est mémoire d'éléphant. Ouais. Par contre, c'est pas héréditaire. Ça, ça je confirme. Mais elle se souvient de rien, genre elle a vu un film il y a une semaine, elle se souvient plus. Oh. Même pas un petit peu, genre même pas si tu fais voir une bande-annonce. Même si tu regardes le film en entier, elle se souviendra pas de la fin, tu vois. Tu sais, t'as des gens à la rigueur, ils se souviennent plus trop du film, mais ouais, bah ouais. Tu vois, si tu leur fais voir ou si tu leur parles d'une scène, ils vont dire ah oui, ça me dit quelque chose, bah non, y'a pas moyen elle. Moi je le redécouvre une deuxième fois, tu vois. Genre, est-ce que tu as perçu quand même que Valentine's Day machin, on l'avait vu l'autre jour? Ouais, ouais, moi, vraiment faire un ah, non mais lol, il faut qu'elle regarde 2 heures de film pour dire ah, et peut-être. Ah, je crois que je l'ai vu celui-là. Non, la allez, dernière salut. Scène, elle me disait quelque chose. C'est quoi la dernière scène? Avec alors, tu vois, je me souviens déjà un peu, alors c'était il y avait pas une semaine. Super. Putain, super. Sinon, est-ce que un COD vous intéresserait ou pas? Alors, je finis ma mission et juste à vous. Achetez lundi. Qu'est-ce que t'as un PC sans fond, chacune comme ça, moi. Je finis ma mission et puis j'arrive. Non, puis après ça se déroule sans fond. Oh. Bon, chaton, un petit COD là. Il a pas envie de rager. Ah, il faut que je trouve le bouton de ma prise électronique. Elle aime ça en fait, elle dit pas, mais elle aime bien. Moi j'aime ça, ça va, je suis pas non plus de l'info quoi. Ça va. L'info, mais qu'est-ce que tu racontes? Je te parle d'un jeu, tu me parles de nymphomanie. Bah j'aime pas me faire du mal. Non mais nympho n'a rien à voir avec ça, tu devrais dire sadomaso alors. Enfin, Sado, oui voilà c'est ça. Ouais. Shadow. Non plutôt maso. Plutôt maso. Sado c'est aimer taper, maso c'est aimer recevoir, je pense c'est ça. Non mais voilà tu m'as compris. Ouais, je pense c'est ça. Putain je suis coincé. Putain, il y a des skinheads là. Oh. Oh oui. La putain, je vais pas passer. Putain, si je connais pas ça dans la vie, putain, on a pas fini. Oh, chatoun. Putain, je suis pas si vite, je suis chier.
Bon, je vais aller ailleurs parce que là, je sais pas si tu testes. Allume ma télé déjà. La. Allez hop, on va être prêt pour le premier braquage. Hey Lesch, I got the good night guess. Ready to go. Now we all know why we're here. Ouais, mais le premier braquage, il va attendre. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Norm and Kareem, you've got the van with Bugstar on the side of it. Excellent, ce... T'annonce tout nu, quoi. See you on little ah putain, sur mission, je peux pas quitter. Je peux quitter ou pas, en mission. Je... Ah! Ah, apparemment... Il y a la guerre de clans là qui commence, je croyais. Bah faites une partie... Enfin faites plusieurs parties sur moi parce que j'ai le premier braquage en cours là, je peux pas quitter. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Et ça risque de durer un petit moment. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. Dude, I'm in the call. I got enough shit to worry about. Look, man, if you're nervous about being back at work, Manafi joue à Battlefield. Not so much. Il n'y a plus personne. Work with. Il joue à Battlefield. Yeah, pretty low rent. Il n'y a plus personne, il n'y a aucun assaut. C'est ce qui arrive, hein. Il va jouer avec les corps à Battlefield. Ah, attends, les assauts sont sur la Wii U avec Mario Kart. Allez, salut. Non, tu crois vraiment ils y sont? Bah, à mon avis, ils sont sur LOL. Hein. Ils sont ni sur Mario Kart, ni ils sont sur LOL, je crois. Je cherche pas. La plupart, je crois. La plupart, ouais. C'est sur ce jeu de merde. Entre parenthèses. Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I'm at the power. Excuse me. Exterminator. Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. Là, je t'ai pas dit en jouet, donc du coup, pour mon neveu, j'ai trouvé un camion dépanneur avec plusieurs tutures. En fait, j'ai racheté avec au côté. Et quand tu fais monter la tuture, ça la reconnaît et tout. Il paraît. Alors, j'ai pas pu le faire monter parce qu'il est tout emballé, mais. T'inquiète pas si tu veux, je l'essaye. Non, ouais, t'inquiète, je gère. Mais salut. Allez, laisse-moi jouer à la tuture. Hein attends. Non, vu comment. Vu comment je t'ai tué tout à l'heure. T'es pas pour les filles. Il n'y a pas de dépanneur fille, et bah il n'y a pas de fille qui joue à. Il n'y a pas de dépanneur tout rose. Chatoun, vu comment je t'ai tué tout à l'heure, non, je crois pas. C'est normal pourquoi je me voyais en double. Je me voyais en double dans la liste des gens là. Ah ouais? Ouais, je me voyais en double et il y avait un de moi qui avait le micro. What? Oui, c'est un bug, je crois. Bah ouais, on peut pas changer. Mais je me voyais en double, c'est bizarre. Alors, le gaz. Merde.
overthrew. Hey, missed. Comment on fait pour courir? Putain, bah, t'appuies sur le joystick en avant, quoi. Oh. Mais n'importe quoi, tes questions. Eh non, mais putain, mais ça y est, on dirait non, ton premier call-up. On dirait ton premier call-up. J'ai une perte de mémoire, quoi. Une perte de cerf-volant? Quand t'as appuyé sur L2 R2, que j'étais en train de tout d'activer, la grenade. Faites gaffe, ça arrive sur le toit là. Oh. Assiste quoi, non. Tu es tout mis. Oh. Oh, je suis mis dans la tête, je t'ai triqué en train d'essayer de monter. Déjà je finis GTA et puis j'ai un sort cadavre. Ne vous inquiétez pas. Ouais, j'ai pas de shoot là, j'ai pas de comme ça on rage avant. Exactement, t'as tout compris. Tu prépares le terrain. Quoi? What the fucking fuck. Merde. There we go. Bon, on va tout récupérer. Oh, ça marche. Mais un minimum quoi. Tu s'accues quoi. Avec ces machines à laver ça fait du bruit quand même. Hein? T'as pas entendu la mine. À quand une machine à laver Putain on a moto avec ça. T'as on va mettre le FPS sur moto. J'aurais dû le laisser avancer. Enfin j'ai juste grimpé. Quoi. Eh vas-y, saloperie. Non, il m'a mis une balle. Là, il y a un peu la confiance. Essayez. Putain. Pourquoi je me suis pris un non, putain mais de couteau, le gars, il me met deux balles putain, silencieux et je suis pratiquement mort, quoi. Oh, merde. Mais c'est quoi ce bordel, sérieux. Putain. Ah, puis j'ai hâte de gagner la Amélie des gars là. Putain, je fais voir la Amélie à mon pote, celui qui la gagne. Chier quoi. Sérieux? Bah ben ouais, mon pote. Il connaissait pas la Amélie, il savait rien, tout ça. Et deux, il s'est mis à l'utiliser. Pouf, il a gagné les meilleures Amélie. Il les a toutes maintenant. Putain. Ben d'accord, ok, enculé quoi. Moi je me fais chier à y jouer depuis je sais pas combien de temps et j'en gagne aucune. Quoi. Enfin, si ouais. J'en ai gagné que deux pas mal quoi. Merde. Ouais. Ils sont partout à la fois. Putain, cette mission. Oh là là. What? Il m'a mis une balle avec toi. Je sais pas en fait, ça, je sais pas ce que c'est, parce que ça a l'air d'être un snipe sur la photo, mais en fait le mec il a tiré plein de fois, il a fait tu, donc j'ai pas ce que c'est que ça. Ouais ça prend pas là, non, ça prend pas, il y en a ils ont bien la côte d'avance, bien comme il faut. Mais regarde on peut des parkers. Ouais, c'est mais bon, même si ça prend pas, j'arrive quand même à être positif. Hein, pas même, bon, hein. Bah oui, mais bon, il faut que tu trouves la Amélie, je te le dis, franchement. Oh, non, et non, tu verras, avec la Amélie, ça réagit comme dans Call of Duty 4. Franchement, elle réagit, je trouve, comme dans Call of 4. C'est pour ça que je pense que tu peux que l'aimer, quoi. Ils cherchent trop. Hein. Pas bon ça. Hein. Mmh. Allez, je mets un drone aussi pendant qu'ils ont leur drone. Comme ça, on est à égalité.
Ok. Heureusement que je suis invisible au drone parce que là le gars il m'aurait vu. Oh, quoi ? Ok, le snipe au fond, d'accord, ok, 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 ok ! Ok ! Non ! I'm here. Keep driving. Oh. Oh non. Oh j'ai flippé. Get off. Putain pour tirer. Wow. Putain j'ai jamais vu un truc aussi. More heat guys. Watch out. Another cop car. Keep going. What the fuck. Ça va bien. Les gars, chaton, il y en a un au sol là, normalement. Là-bas, là, qui est parti, je sais pas où il est. Oh merde, ils ont leur truc tout pourri là. Ah, oh, ils sont derrière. Ah, shit. Faut chier avec leur laser. C'est chiant leur laser. Waiting on you, kid. Lester's around the corner at the lockup. Bon, on a perdu, putain. Oh. Chier. Merde. Ah d'accord, il y a une team en fait, une pseudo-team qui réussit un petit peu à être positif et encore. C'est parce qu'on a des nuls avec nous, vraiment là, c'est. Ah, malheureusement. Le gars, il y en a, il fait 6-18 quoi. Oh ah, il s'est fait. Bambino. Merde. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir m'appeler là ? Ils font chier ça. Ok, bon bah un braquage d'air ici, un. Pour les braquages de fait. Un peu le chauffage, moi après, parce qu'il fait que 3 degrés là, ou 2, je sais pas. Plus haut. Ça descend, ça descend. Mmh. La fois, tu montes. Je fais un truc là. Dure comme la gemme. J'ai combien en banque? Tire contre pote, il a une amie. Putain, j'en ai marre, moi je l'ai vu aussi. Ça va, calme-toi, respire. C'est ah ouais, non, c'est chiant. C'est chiant, franchement. Une arme. Non, c'est pas qu'une arme d'abord. Oh là là. T'es l'arme. Oh. Ok, donc je vais sauvegarder et je vais changer de jeu. D'accord. Vous êtes défoncé là. Ah oh ouais. C'est la drogue. La drogue c'est moyen. Moyen. Moyen c'est mal. Alors. De toute façon la drogue moi j'étais depuis la naissance. Quand j'étais petit je suis tombé dans de la farine. T'es sûr que c'était de la farine? Ah oh ouais. Ma mère était en train de faire un gâteau et tombé dedans. Oh non, oh non. Derrière, putain, enculé quoi. Depuis j'ai de la farine plein de trous de nez. T'es sûr que c'est plein de trous de nez? T'es sûr que c'est de la farine? C'est t'es sûr que c'est de la farine? Ça va! Il était... Vous dites que c'est de la farine que j'en ai plein de trous de nez là, c'est bon? Impossible ça! Mais c'est 5 UD! C'est pas une droguée hein! Allez, descends de là, toi, tu vas tomber! Allez, un petit drone là, faut prendre la tête, faut prendre la tête! T'es sûr que la tête? Oh non, faut forcément qu'il y en ait un. Allez où la tête? Allez où la queue? C'est dans quoi ça, sérieux? Allez où la tête? Dans Camelot? La queue, ça c'est dans le. Les inconnus là, les.
Merde. Ah, oh, j'ai le... les trois frères. Ok. Ouais, d'accord. Premier, frères. Peux leur faire, s'il te plaît. Ah, c'est les trois frères, le premier. Allô, t'es là, cucu. Choupette. Choupette. Où est tes têtes, où est la cucu. Choupette. Ah oui, le chien, oui. Bah oui, c'est le chien. Déjà, c'est le chien. Ouais, c'est un chien tout poilu. Il y a des salopes qui sont sur toi. Il y a des salopes sur toi, mais qui rien. Bon bah. Oh, il me tue une balle, l'autre. Putain. Mais sous sa cul, dit. Vas-y, je casse les vitres. C'est vrai. Ouais, je casse les vitres. Alors, t'es. Oh, vas-y, mais c'est bon, quoi. Putain, les mecs, quoi. Ils... T'es les salopes. Il est mort ou quoi? Ah non, derrière il m'a mis une balle le mec. Ah oui, direct dans la tête. Ouais, le mec il tire une balle, pouf, dans la tête. Mmh. Allez, la tête, allez, la queue. Où la queue, elle est où la tête? Elle est la caquette. Elle est où la caquette? Non, la tête là. La tête. Oh shit, putain. Elle est où le tofu? Le tofu, mais qu'est-ce que tu nous... Allez où la toutouf? Cherche pas. What? Non, il m'a mis tout à travers, non. Oh. Vas-y, sérieux, là, tu te fous de ma gueule. Elle où la petite chatoune? Elle où la petite chatte? Non, non, mais pourquoi on n'a pas changé d'abord, là, en plus? On tombe sur des connards, des campouses qui font chier et toi tu restes toujours avec eux aussi. Oh! PRP ça! Puis quand c'est un groupe à la co, ça sert à rien. Le groupe va être encore ensemble, ils vont forcément avoir la co. Ça sert à rien si tu veux, c'est. Bah, ça prend rien. Je lui mets des balles au type là, vas-y, c'est un truc de fou! Toi, tu t'en sors super bien. Mmh. Voilà. En même temps, ils se mettent tous devant mon canon. Ouais, bah écoute, t'as bien de la chance. Ça va, les mecs. Salut, les mecs. Devant mon canon, il se passe rien quoi quand tu leur tires des balles. Mais vas-y, mais crève, je t'ai mis 3 balles dans la tête là. Bon, Mika, je vous souhaite une bonne soirée car je suis pas fan de Call of Duty. Ok, Kenan. T'inquiète pas, je rediffuserai du GTA, y'a pas de soucis. Putain, je viens de perdre mon pansement, salope. Pas de soucis, Kana, merci à toi d'être passé. Salut, Kana. T'es déjà parti. Bonsoir. Ça va et toi, la merguez? La merguez. Ah oui, y'en a qui s'appellent comme ça. Ah, j'en mange ce soir de la merguez en plus. Ah oui. Ouais, ma mère elle a tout ça, je t'ai acheté de la merguez. Bah, il met une balle là. Oh! De la merguez ce soir. C'est la merguez party! C'est trop bon, ça c'est pimenté, c'est. Pourquoi tu joues pas? Parce que j'attends 2 personnes pour pouvoir jouer. Tout simplement, t'inquiète pas, je vais jouer. On dit... Maintenant sur Call of Duty, on dit pas je vais jouer, on dit je vais rager. Pas pareil. T'as perdu! Cassé, t'as perdu! Ouais, ok, la carte là, salut! Là. Non mais lol, il était même pas dessus! Vas-y, on se fout de notre gueule là! Le gars, il était à 1 mètre sur le côté, à 1 mètre! T'as bien vu le chaton, t'as vu comme moi? Putain, franchement, les snipes sur ce jeu, tout ça parce que les déplacements sont. Voilà, bah les snipes ils sont pourris quoi. Du coup. Merci pour le follow de la merguez Nalu. Ah oui, en fait, t'as le stream d'Eric et le stream de Mika qui tourne. Non, le stream d'Eric, j'ai fait pause. Alors, ok, t'invites à chien. T'es obligé. Mais je t'en prie, de rien. Bienvenue. Par contre, il me faut. Le truc de Wizbat. Wizbat. Follow.
C'est l'imposteur. Follow. Ok. Alors, c'est du 1700 x 960. Contrôle F. Éditer la scène. Match à mort par équipe. Exo activé. Éliminez les ennemis. Désolé, je sais pas qui c'est qui est à côté de moi. Oh, salope. Compose. Attention sur le toit. On a pris l'avantage. Assiste, mais fais chier. Derrière. Sniper. Assiste, ça prend super. Après, j'ai tiré sur un mec, le gars il est mort après. Après quand je me suis bien arrêté de tirer quoi. Vers la forêt. Il y a du monde. J'ai pas de shoot là ce soir, j'ai pas de shoot. T'as du mal? Ouais, j'ai pas de shoot là. J'avoue là, j'ai pas de shoot, je le sens. Ouais, avec l'histoire de la voiture, ouais, forcément. Fatigue. Ah, c'est pas mal. Ah, puis c'est vrai aussi que je fais de la session cuivre en ce moment au boulot là. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, on fait du câble, on fait des trucs sur du câble. Et là, en ce moment, on prend tous les câbles qui sont d'une section de 25 carrés ou plus en cuivre et on les ouvre et après on va les revendre au ferrailleur en fait. Ah ouais, d'accord. Tu bah, bien raison, en même temps. Et franchement, ouvrir les câbles, tout ça, c'est. Ouais, c'est physique. C'est chaud. Franchement, c'est chaud, ouais. Ouais, c'est. Je t'assure que voilà quoi, il faut bien appuyer avec un cutter, voilà quoi, c'est en mode one again. Mais n'empêche, là on a eu, je sais pas si tu vois, genre on a comme eu. On a à peu près deux baignoires remplies de tuyaux. Tu sais dans combien de temps ils sortent le zombie? Ah non, je sais pas du tout la marée, je peux pas te dire. Je suis pas trop l'actualité de ce code là, donc. Je fais que du multi. Enfin, du multi MME et encore. Voilà, quand je range pas trop. Quand j'essaye de pas ranger. Sans pitié, wouh, sans pitié. J'ai pas sans pitié. Non, ça sans patate. Non, sans pitié. Mais putain, je faisais du 7-0, pas de pitié pour les croissants. Exactement. C'est pas long de manger, hein, tout le temps. Bah, ça y est, sans pitié, et puis c'est marre. Ah, tu te fais. Après l'appel de. Oh putain, ils spawnent tous. Putain, mais d'un coup, j'ai auto-visé là. J'en avais pas juste avant, et d'un coup, j'en ai. On m'explique. Y'a un sniper en haut. Il est mort. Putain, moi aussi, je peux pas le perdre. Près de la pelleteuse. Merde. Pelleteuse. Je m'arrête. Merde, quel con. Merci pour le drone, j'ai niqué pelleteuse. Ok. Je suis sous pelleteuse. Y'en a encore sans pelleteuse. Non, mais j'ai niqué pelleteuse, je suis sous. Voilà. Putain, pelleteuse. Y'en a un. J'ai jamais dit que tu rageais, hein, la même case. Hein. Quoi? Je sais pas, la même case qui bique. Ok, d'accord, sniper de merde. Pas de la pelleteuse, il y a un sniper. Attends, je vais essayer de me le faire. Il m'a tué. Oh putain, il y a une salope là. Tiens! Comment je suis géré là? Je dis que le. Je dis que le. Je suis impact. Suivez pas trop l'actualité de ce code, après le zombie, on va dire c'est pas trop mon truc. Oh la tempête que je lui ai mis, par contre je crois que j'ai mis trop de balles à lui et assiste. Oui. Vache, je lui ai mis trop de balles. Oui, c'est moi qui t'ai volé ton fry.
Non, je pense crois pas, Mika. Si, moi je l'ai mis de mal, le mec il est mort direct. Hein. Oh, les drones qu'on a, on est tout le temps, on voit tout. Putain. Parce que c'est moi, il est mort, pelleteuse. Ok, ok. En haut, sur le toit. Oh non! Pelleteuse, pelleteuse, pelleteuse. Non, j'y suis, pelleteuse, j'y spawn. C'est si, demande une onde. Il y a un sniper en haut. Il y a un sniper là-bas. Pas pelleteuse, moi je cherche au nouveau endroit. Tu m'as tué en erreur. Pour les pieds. Tu sais le machin en microfibre. Ah non, ça je l'ai plus, non. T'as pas un truc qui pourrait faire en fil 2? Du tout. Pourquoi? C'est bien que t'as plus de tir. Ah bah ça, c'est le veto, hein, là. Ah bah ouais, mais bon, en même temps. Oh non, on a fini. C'est un mec juste devant. Un mec juste devant, dos tourné, c'était cadeau. Ça a bugué ou quoi? Ah non. Oula. Oh. Mais est-ce que tu vois comment on le snipe? C'est shit. Le gars, oui. Il est dessus. C'est shité le snipe. Ils avaient dit, tu sais quoi? Tu sais que je l'ai essayé. Il y en avait un qui avait perdu son... Enfin, j'avais plus de balles. Du coup, j'ai pris le snipe. J'ai visé dans les pieds, je me suis dit vas-y, je vais viser dans les pieds, ça va tuer. Ouais, ils se disent par vachement mal. Et pourtant, ils avaient dit qu'ils allaient sûrement faire. Ils avaient pas. Enfin, ils avaient dit que les snipes, les quickscopes, ce serait un ouais, peu. Ouais, bah pour l'instant, c'est ça, pas tué, mais... j'ai tiré dans le pied, il est mort. C'est pas le cas pourtant, hein. Parce que les quickscopes. Ah oh. Comme si j'avais tiré dans la tête. Ah, oh, vous avez vu les lunettes de Joe Potter là? De qui? Joe Potter. Joe Potter. Oula, oui. Bah, on dirait des. Mais on dirait une mouche. C'est Zubi la mouche, Zubi la mouche. Oh, c'est trop laid, franchement. Comment tu peux oser mettre ça, ma gueule? T'as vu, y'en a un, il a un perso zombie là. Ouais, ouais, y a un perso zombie là, ouais. Mais ça, c'est. Il l'a eu dans le truc Atlas, je crois. Ok, c'est qui le zombie? Guten. Je sais pas quoi là. Guten, je sais pas quoi. Je repose. Un truc tout pourri. Gindakong, là, ouais. Ah ouais, il a une tête de... Ah ouais, ouais. Une tête de zombie, ouais. Oh putain, tête de con, bordel à nouille. Il a beau être un zombie, ils sont enculés, quoi. Je le fais pas dire. T'imagines un zombie qui encule? C'est lui, quoi. Putain, ça s'en produit comment, ça? Fait rapper, ça, par contre. Match à mort par équipe. Tous les agents autres que ceux de Sentinelle sont considérés comme hostiles. Éliminez-les. Oh putain la salle. Mais non, mais il m'a mis une balle le mec. Mais comment, sérieux man? Et ça campe, il y en a un qui a là au niveau de la fenêtre, tu sais, couloir middle là. Couloir middle au niveau de la fenêtre, on voit à peine sa petite tête. Ah ouais, et j'ai là, vu. Bisou de porc. Il m'a tué là, pareil. Il vient de me tuer. C'est pas grave, je vais faire le tour, je vais aller l'enculer par derrière. Non. Oh, dans le coin, l'eau, putain, la salope. Il va l'enfiler par derrière. Ouais, ouais, je vais l'enculer par derrière. C'est sexuel ça. Ah ouais, là, c'est bien. Ah ouais, ouais, là. Il me l'a fait à l'envers, je vais le faire à l'envers. Putain, il s'est barré. Non, mais il y a le chat. Oh ouais, bah ouais. Non, non, mais dans la petite. Dans la petite Putain, je l'ai niqué. GG. Oh, j'ai foutu des balles aussi là. Ouais, mais je lui en ai mis beaucoup. Ouais, mais après, j'ai arrêté de tirer, tu vois. Ça campe, je la campe, hein, si je te dis ça. Attention! Oh, j'ai pas vu arriver. Derrière. Ah, j'ai pris la mauvaise classe, je crois. Ah, bah non. Ah, il faut que je regarde si j'ai pas débloqué d'autres. Ah, ou alors je l'avais balancé. Si c'est passé. Ça
Non, j'ai tiré juste avant toi. J'ai une arme trois fois plus puissante, quoi. Tu te fais reculer non, tout je ça. T'es sérieux là? Le mec, je tire avant, il me la met, quoi. Milan, au fond. Putain, mais sérieux? Ah, je retire. Je tire dessus, ça prend pas. Ok, d'accord, ça a bugué. Ah oh, merde. Mika, t'as beaucoup de déco quand même, des trucs comme ça un peu. Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, sur ce jeu, j'en ai pas quoi. Bah, je crois que mon jeu est frisé. Super. Oh non. Okay. Oh y'en a, tu leur mets des balles. Bien dans ce là. Putain. J'ai vu dans ce jeu, ça a bugué. Mais après c'est pareil aussi, il y a la migration d'eau hein, maintenant. Mais sauf qu'on la voit pas en fait. Du jeu là, carrément. Parce que c'est le PSN qui prend vite fait la connexion quoi. Je reviens deux secondes. A toutes. Non, derrière, oh non. Ton middle, le chaton. Mais genre... Non! Ils campent, hein. J'aime pas leur façon de jouer là, pas du tout même. Oh là là, il m'a mis une balle dans la tête tout de suite quoi. Boum tchou! Il est mort. Non, comment il a pu mettre une demi-balouche qui m'a mis mes pires que rouge alors que j'étais déjà caché à ce moment-là. Ouais. Ça prend rien sa mère quoi. Ah, poignée ergonomique, yes. Ah, tu l'as eu sur la Amélie? Ça y est. Et ta balle blindée là? Attends, faut que je regarde. Si ta balle blindée, merde. Rayon avancé. Ils sont tous là. Non. J'ai pas de balle blindée. Hein. Alors, tu m'as dit poignée ergonomique. Poignée normale, poignée ergonomique normal. Et balle blindée. Balle blindée, je les ai pas. Je lui ai mis trop de balles à lui. Il aurait dû crever deux fois, putain. Détermination. Je vais virer des terres. Rayure avancée, c'est quoi ça? Augmente la portée. Okay. Améliore la portée. Bah ben, attendant que je débloque le tir rapide. Non, tir rapide. Oh là, carrément. Moi non, tir rapide, c'est pas la peine. Non, je vais pas débloquer la balle blindée, oui, je sais pas. Tu mets une petite balle dans le genou, et hop. Bah ben, j'attends votre invite. Ouais, on a back et enfin on back et ouais. Dommage, c'est déco la table. Ouais, je sais pas pourquoi. Faut que je passerai la console tout à l'heure à internet. Tu back? Le chaton. Go back. Oh, oh. Oui. Elle était autre part là, je crois. Je crois aussi. Par la ma mère, c'est pour ça. Ah ouais, mais bon, ouais. Je te demande pas de me parler, je te demande juste de back. Moi. Hop. Oh.
Je sais pas encore si... 3 levels, je serai level 50. Oh! Arsenal. Je connais Arsenal. Tu peux lancer maintenant. Et absorber. La mélisse passée, ouais. Je crois que celle-là, je vais la... Vite. Et je vous jure que si on est full team, enfin, tout du moins 3 avec ça, on les maîtrise les mecs. Parce qu'à distance, ils ne font rien. De près, tu peux tout à fait niquer avec cette arme. Elle va bien de près. Franchement... Amélie, t'as pas une Amélie spéciale? T'en as pas gagné une seule, Mika? Si, mais elle est pas terrible. C'est quoi que t'as? C'était l'Amélie... je sais plus quoi... Je l'ai revendu donc. La Swift, la Red Shy, la Magnus, du quoi. Bon, après, il y en a d'autres, mais. C'était la Amélie avec. Une de cadence en moins et une de. Je sais plus quoi en moins. Ah, que des trucs en moins. Ouais. C'est pas possible ça. Si, si. Ils peuvent pas. Non, il y a forcément deux trucs en. Enfin, il y a forcément. Ah non, 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 mec, c'est sûr qu'il y avait des trucs en moins. Elle était juste en moins, la machin. Ouais, juste t'avais pas un truc dedans d'office ou je sais pas, non. Le fait que t'aies 200 balles ou ce des fois. Non, non, même pas. Même si t'as que ça, tu peux. Parce que il y a une arme, genre elle a 2 en dégâts en plus. Par contre, elle a que 50 balles. Si ça se trouve, t'avais peut-être chopé une arme qui avait moins de trucs, mais se trouve, elle avait 300 balles. C'est la Amélie Spacer, je crois. C'était... Ça doit être celle-là. Ah, elle avait dégâts en moins, précision en moins, et elle a. 2 points de cadence. Si c'est celle-ci, je crois que c'est. Je sais plus, oh, c'est pas grave. De toute façon, enfin, bon. Si j'ai un double que note, voilà. Ah non, c'est peut-être pas celle-ci. Dès que j'ai un double que note, bah, on avisera. Moi, j'en veux une bonne, quoi. Mais ça va sinon, t'aimes bien l'arme? Ouais, elle est pas mal, franchement. Juste. Quand tu vises, enfin voilà, ça prend un petit moment, quoi. Pour... Bah, c'est poignée ergo, tu vas voir. Poignée ergo, ça va régler ton problème. Oh. Là, tu vas être bien là. Et là, tu vas pouvoir un peu rusher. Et vu que t'auras eu l'habitude de la poignée lente, tu vas kiffer. Yep. Tu vas kiffer. Ok, d'accord. Je lui mets tout dans la gueule, l'autre il me la met. L'autre il est en haut. Et là, j'ai fait une erreur de tir totale. Puisque j'ai foutu la moitié de mes balles à côté, quoi. Je suis tout rouge. C'est sérieux. A confirmé qu'en tirant à côté, on ne tue pas les gens. Je sais pas que c'est la vieille, c'est Chatoun. Chatoun derrière toi. Mais putain! Trop tard. Putain, j'ai cru l'avoir tué, j'ai même pas. J'ai mis pas assez de balles en fait. Bon, j'ai mis un petit drone, les gens. Ah oui, avec la poignée ergonomique. Oh. Ah ouais, la poignée ergonomique. Merci, quoi. Ça merci. La vie, hein. Hein? Merci. Il y avait rien. Qui t'a dit merci? J'ai rien. Putain! Bah, pour la poignée ergonomique, c'est moi. Ah ouais, là-dessus, t'es obligé. Oh, mais c'est pas vrai, sérieux, quoi. Oh non, il y en a un bien devant et un derrière. Je sais pas où ils sont là. Ils sont tous sur. Il y a la moitié d'un côté, la moitié de l'autre, quoi. Eh ouais. Ils sont tous sur l'avion là. Non, il a pas crevé, quoi. Ok, d'accord. Pourquoi? Non. Mais du coup, je me fais avoir par un autre, il a pas crevé, non. Oh putain de sniper, chacun derrière toi. Voir les enculés qui te tirent au snipe. Oh non, il m'a mis une balle, il était encore en train de courir le type. Salope. J'ai vu un flash partir, il courait le mec. Putain. Pas non plus se foutre de la gueule des gens. J'étais sûr. Il y a un sniper en boulot. Ok, d'accord, l'autre team l'a mis. Je vais arriver derrière lui. Mais derrière, il juste mais... le distraire. Par contre, non, mais c'est vrai qu'il faut des drones là. On merci pour le follow, sont... hein, merci. Ah ouais, tous n'importe bah quoi. Ouais. Donc là. Activé.
Non, mais il y en a partout à putain, mais sérieux quoi? J'arrive pas à avoir de drone, moi. J'arrive pas à. Non, on n'arrive pas. On fait un kill, on se fait shooter derrière quoi. Putain, l'assist, je suis mort. Non. Wouah, j'ai fait un carton là. J'ai fait un carton les gens. Oh, ça fait combien? J'ai spawné à côté de moi, mais j'ai rien pu. D'accord, ok. Non, putain, t'as fermé sa gueule lui. Par contre, ils sont tous en invisible machin, donc ouais, ça m'étonne pas. Même un drone, c'est pas possible. Ouais, faut attention en arrière, quoi. À son cul. Non. Putain, on perd quoi. Bien sûr qu'on perd. Je vais commencer. Putain. Bien sûr qu'on perd, forcément. Allez, je mets un drone. Merci. Ah, mais on les voit pas bien en dehors. Non, on les voit pas trop. Là, franchement. Non, c'est pas qu'on les voit pas trop bien, c'est qu'on voit personne, ouais. Bah, ouais. Putain, des snipers, je l'avais en mon drone. Pas un, quoi. Bah, non, mais du coup, je vais mettre le drone brouilleur. Parce que vu que ça sert à rien d'avoir un drone, je vais mettre la classe avec le drone brouilleur. Au moins, je vais les brouiller. Au moins. Mais ils sont sérieux, quoi. Ça campe à merde. Putain, je suis blessé à mort, je peux rien faire. Y'a bien un qui met du son là, il me saoule. Ouais, mais lui, je l'ai mis direct. Non! Mais c'est un truc de ouf, sérieux! Tu peux pas les tuer! Putain, y'en a un. Putain, la poignée ergonomique! Il est où? Putain, mais c'est ça. C'est qui vient de se faire? Moi je me suis fait allumer la tronche. J'ai vu ça. Putain la grenade. Je vais la prendre à l'eau. Derrière moi. Putain mais je suis des balles. Mais il crève pas! Mais j'ai vu trop vite balle là, sérieux! Non, mais alors lui avec sa casquette violette, il prend rien! Il tire 3 ans, il est en train de courir qu'il tire encore ce mec! Donc, putain, mais je t'ai pas muté déjà toi? Putain, c'est le gars avec sa casquette violette, il faut l'avoir à distance le gars avec sa casquette violette, parce que sinon il a trop l'avance quoi! Pas d'avion. Tiens, casquette violette là, casquette violette, t'as cru quoi toi encore? Non. Désolé, mais j'ai les boules contre la casquette violette. Non, y'a pas de soucis, c'est un autre. Non! Vas-y, insulte-le! Salope! Nabila! En même temps, Nabila, c'est vrai que c'était une salope. Oh putain, il me casse les couilles sur ce mec-là. La place, elle est devenue une. Putain, on a perdu, mais on. Bien sûr qu'on a perdu. C'est dommage là. Il y a des mecs qui se sont fait poutrer la gueule. Ah, moi ça quoi. 17, 17, putain. L'autre, il a essayé de me la mettre quoi. Il me l'a mis. Salope. J'avoue, 3 parties, 3 défaites. Ouais. 16-22. Ok, d'accord. Putain, je suis à 25-11 là, mais pas moyen de gagner quoi. Oh. Oh, une caisse. Une petite bague ou un chevreuil. C'est quoi que j'ai eu? Ça ouvre des caisses, ça ouvre des caisses. Ouais. Des lunettes et un PDW. Ok. Elite. Ok. Arsenal. Bon, c'est lunettes. Hein. Bon, bah, allez, les couilles. Et cette arme, c'est quoi?
C'est quand tu t'en vas et que tu les entends encore, ça c'est... Ouais, bah ça c'est un peu... J'ai l'impression d'avoir vu un truc en fait. Ça vaut combien ça? Pas de XP. Recovery, 1 des 3. Pourquoi 27-08? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est quoi son casque à l'autre, ça? Putain, c'est quoi ce micro de merde, quand même? Les musiciens. Mais Eric, il teste là les codes, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, mais faut pas que tu regardes, toi. Moi, je regarde pas. Hein. Bah là, je coupe. Ouais, c'est ça, ouais. Puis tu sais, là, je suis en médium, de toute façon. Je suis en qualité médium. Tant que c'est pas moi qui host, tu sais, c'est pas. Et quand je prends le groupe, moi je coupe tout. Je me dépêche. Ça me fout la confusion ce que tu viens de dire là. Alors tu prends ton groupe ? Quand j'ai le groupe, je... Ah. Ouais. Non, je sais pas. La couette. Ouais, mais tu vas jouer nul. Non, mais ma couette, j'ai retiré de mon lit. Hein. Je suis assis sur la chaise avec la couette sur moi. Ok, d'accord. Une photo, une photo. Salut. Ok, d'accord. Mais ta gueule, salaud. Putain. Ouais, y'en a encore qui campent dans le coin là. Mais ça c'est l'endroit. Ah, y'en a ça, l'endroit. Elle est où? Oh, j'ai eu les deux, les pauvres. Ok, d'accord. J'ai testé un duel. Un à un, je les ai niqués. Oui. Pas fermé leur gueule, sérieusement. Il y a des micros pourris là. Oh putain, oh, bah, je balance. Ça fait que attends, que ça quoi les mecs. Et les mecs qui s'allongent quoi. Mais va te faire sodomiser. Ça arrive. Je pense à le dégoût. Ouais, vas-y, derrière le machin. Salon. Putain. Oh la bande de pute, moi je vais faire comme vous, je vais vous attendre. Faites gaffe, ça s'allonge, ça campe derrière les. Le gars, comment il peut voir quelque chose là? Franchement, ça me dégoûte. Je joue comme des putes comme ça. Quoi. Putain. C'est pas possible, quoi. Franchement, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non, ils investissent le Lidl là, c'est pas bon. Je viens d'en défoncer un, je t'ai mangé, mais. Je sais pas où il est l'autre. Salope. Bravo le chaton. Allez, tu me couvres? Tu me préviens quand ça revient? Non, tu j'en sais rien, tu me suis. Non, c'est pas ça que je dis, mais si tu vois que je regarde à un endroit, viens regarder au même endroit que moi, ça sert à rien franchement le chaton. Mika il fait le ménage là avec la balle. Ah ouais, c'est bon, au bout d'un moment. Avec Pony Argo là, c'est cool. Ah ouais, putain, tu les vises rapidement les types. Ouais, mais heureusement, merci de m'avoir dit, putain. Non mais franchement je regarde le ciel, je vois un truc passer, je c'est en train les de viser, oiseaux, quoi, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans le ciel quoi, un oiseau ou non? Il y a un drone, je vois un drone. C'est bon, je vois un drone. Toi seul sais hein. Oh, il va me baloucher. Tu vois qu'on a pris l'avantage. Il veut commencer à camper derrière les caisses et tout. Assistance. Et tout quoi. Oh, j'en étais sûr. Oh, il m'a mis une balle. Oh là 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 là. Je pense que ça me dégoûte quoi. Jouer comme ça. Oh, l'assist quoi. Moi, il n'y a pas la cou là. Non. Absolument pas. C'est déjà qu'il nous a... Il y a une tourelle. Faites gaffe. Vas-y, ça me gaffe. Franchement, ça me gaffe. Ça fait que camper. C'est... Ah, ouais, franchement, c'est horrible quoi. C'est plus ce que c'est. Franchement. Voilà quoi. De toute façon, la tourelle.
Nika. Ouais, j'ai. Non, non, mais j'ai entamé la tourelle comme ça. Si tu veux la finir, tu la finis. Tu fais gaffe à toi, quoi. Derrière toi, fais gaffe. Putain, il m'a mis une balouche. Faut passer votre allée, quoi. Sur cette map, la tourelle, c'est vrai qu'elle fait pas mal. Bah, bien planqué là où il l'a mis. Là. Ah, tiens. Bien creusé, là. Là où il l'a mis, ouais, c'est clair que ça peut être. Bon, ouais. Oh putain, j'ai fait sur une musette. Oh, l'autre, j'ai foutu des balles dans la tête, il a rien pris. Ok, d'accord, bien ta camp. Ça campe en haut là. Oh la vache, y'en a un qui est derrière les plots jaunes. Enfin orange quoi, la vache. Oh la assiste. Ok, d'accord. Fais gaffe, chaton, derrière les plots orange là-bas là. Il est peut-être mort. Ouais, il a l'air d'être mort. Assiste. Oh, derrière le chaton au niveau de la fenêtre. Je peux pas, ouais, mais... J'ai pas dit ça, mais je te donne juste l'info moi aussi. Je suis mort, alors je te donne l'info par où je suis mort, quoi, c'est tout. Faut pas. Putain de merde! Il est plus par derrière, l'autre. Bon, je me fais défoncer, hein. Je vous le dis là tout de suite, je me fais défoncer, ça prend rien pour WAM, c'est juste oh, merde. Horrible là. Bonne. Putain, mais je le vois pas là, fais voir ta petite tête! De toute façon, il a posé une tourelle l'autre. Putain. Je sais pas s'il a eu le temps de la poser, je crois qu'il a plus le temps. Non, non, il crève pas. Le mec il tire 3 ans après, il réagit même pas. Il... Putain. Putain, la grenade. Ça me saoule. Il joue comme il joue, ouais, c'est clair que. Voilà quoi. Ouais, vas-y, faut chercher la distance là. Ah là 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 là, c'est salope grave. Puis on se spawn, il est pourri, hein. Je vous le dis, c'est le spawn. Mais putain, pourri. Mais ils en ont pas marre. On est de vachement camper, mieux de l'autre côté. Des fenêtres, des portails, des. Oh la 6. Je vous dis, là, je campe sur le toit là-bas, là, au loin, en haut. Ah, mais bah, je vais camper là où je suis, hein, puis voilà quoi. Derrière, oh, derrière. Regarde ça, putain. Drone allié au-dessus. Franchement, au bout d'un moment, voilà quoi. Ça veut jouer ça, on va jouer ça, hein. Oh, regardez le dernier kill, c'est du pré-shoot. C'est du pré-shoot le dernier kill. Bah, ça, il va croire que j'ai aimbot. Parce qu'en fait, là, j'ai vite marqué, je le vois, il se barre. Je m'arrête, je me dis là, il sort. Je t'ai niqué parce qu'il était au snipe, ce genre de mec, tu sais. Ils se font une décale, ils tirent, ils remettent, ils font une décale. Et si tu chopes en fait le timing d'un sniper, il suffit juste que tu mettes une pute. Putain. Bon bah salope quoi. Salope pepe, vas-y na zap. Attends, j'ouvre ma caisse. Ah oui, je suis à 1,45 de ratio. Oh. AMR9, j'en prends la faute. Vous êtes à combien? Opérateur 0,96. 0,96, c'est ça? Ouais. Bon, allez, je fais ma dernière parce qu'après faut que j'aille bouffer quoi. Pareil.
Ah, il est déjà 7h. Eh ouais. Ah oui, t'as été aux courses. Bah ouais, je sais bien. Bah, tu vas avoir un an, c'est ça? Dans son cadeau de Noël? Un an. Non, à Noël, je sais pas. Oh là 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 là. À Noël, je crois que je me prêtais peut-être avec des petites voitures encore. Je sais pas, faut voir. Hein, il va grandi, être un petit peu grand pour jouer avec les voitures pour l'instant. Comment tu l'as pas vu en plus. Ouais, ça doit bien faire maintenant 4-5 mois, je l'ai pas vu. Ouais. Oh là ouais. Là, en plus, c'est à cet âge-là que ça grandit. Ouais, ouais. Et ouais, c'est, je sais. Mais j'ai vu des photos, je le suis en photo, quoi. Ouais, mais bon. Ah ouais. Bon. Ils aiment tellement loin. Ouais, voilà. Le fait de faire rien. Ah, sans grenade. Ah non, oui, ça c'est sûr. Je sais pas, à un an, en général, soit il bafouille vite fait. Commence un peu, enfin ça, voilà quoi. Soit il bafouille, soit il marche en général. Lui, je sais pas s'il fait long ou s'il fait long. Remarque, vu sa commère de mère, à mon avis, il va parler, lui. Peut-être ça veut rien dire. Hein. Bah, vu le cerveau de sa mère, je pense pas. Oh. C'est un cerveau long. Oh, ça va. Oh, c'est pour rigoler un peu d'humour. Oh. Méchant, mais c'est. Arrêtons, voyons, oh. Ah, c'est. La première chose qu'il va dire avec sa mère, c'est non. Chien. Comme ça. C'est un truc de fou, sérieux. Il va l'appeler maman chien. J'ai pas la peau là. Bouf. Il va faire ça, ouais, quand il va l'appeler, il va faire ouf ouf. Hop, ça va arriver. Ah, ouais. Ah bah, c'est pour rigoler, c'est de l'humour. Mais c'est mon neveu. Pas de ton neveu que je me fous de sa gueule. C'était son cadavre qui tombait. Lol. Bon, je me fais défoncer là, j'ai trop pas la co. T'as son drone. Drone ennemi activé. Grenade. Oh, t'as spawn devant moi, tu me fais flipper. Toi. Tu fais. Oh, la chatte que j'ai eue. Oh, il m'attendait, mais comme une grosse merde quoi, putain. Ça me dégoûte. En fait, c'est bien quand on commence à s'inquiéter. Parce qu'à 6h déjà, tu sens les salopes qui sont là, qui sont venus de cours, tout ça. Les salopes qui jouent un peu mieux, mais bon, bah du coup, ils campent un peu, ils tempo grave. Oh! Putain, il m'a mis. Mais j'ai trop pas la co, hein. Moi, je passe de l'autre côté et je ressors mon arme. Quand il me crèche, je me TP comme si j'étais encore en train d'escalader. Vas-y, c'est bon. Ça prouve quand t'as pas la cause. Ça. Attends, c'est quoi que je vois? Il m'a semblé voir un type, c'est un buisson qui bouge. T'as des soucis, toi? Tout à fait. T'as des soucis? Il y a un mec là? Pas mieux, mais. Oh putain, un peu plus, je faisais une putain de triplette ton. Bah alors? Bah alors que c'est. Oh putain. Oh non, il y en avait un derrière. Allez, je mets un petit drone. J'ai réussi à faire une petite série vite fait quoi. Parce que depuis tout à l'heure, je me faisais défoncer. De toute façon, là où tu. Je sais pas qui c'est dans le bâtiment là. Là, j'y suis. Oh oui, bien sûr. Putain, et lui, il faut à travers les murs, c'est pas possible. Ils viennent pas. Putain, je pensais qu'ils allaient venir là. Oh la assiste. On se gêne trop en fait, on passe trop au même endroit là même. Ouais. Grenade. Ah, il est où là? Allez, pauvre la triplette! Faut que je recharge. Je mets un drone. Drone. Oh non. Il y en avait un là-haut, d'accord, ils étaient trois à me faire fumer. Il y en a trois, ils campent ensemble. Ouais, bah ça j'ai l'impression, vu qu'ils se font un peu défoncer, ils se disent tiens, on va camper là. Mais vas-y, prends pas. Je la campe, je la campe. Hein. Non, mais c'est quoi ce bordel là? Oh.
putain, je suis chaud là. Ouais, j'arrive. C'est pas un drone. Ah, si, tu peux, parce que. Notre drone est activé. À chaque fois que je bouge, les spawns bougent. Ça, c'est par contre, ça me vénère un peu, ça. Lucas, t'as fait la partie, je crois. Non, j'ai fait la partie, oui. T'étais toujours à l'endroit. Tu vois, on va dire que je traînais. J'ai trouvé cette arme. Tu vois alors, qu'est-ce que t'en penses? Merci. Ah non, mais je te le dis, il faut une arme qui ait de la portée et du dégât dans ce. Dans ce oh, j'ai un terrain. Oui, salut. Tout à fait plaisir à saisir. Bon, je voulais manger. Ouais, vas-y, on va, je vais manger moi. Si vous, ou, si vous voulez en faire un petit après. Ouais, pas de soucis, ouais. Bon, bon appétit à vous back. Et puis à tout à l'heure. Allez, y'a des bonnes apps, les gens. Merci, ouais, je aussi. Moi, je vais chercher à manger. Moi, je vais pas manger. Tu vas pas manger, ouais. Toi, tu nous attends. Allez.